2024 comparé à 2023. Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'a défendu devant la représentation nationale. Le budget est jugé recevable et la commission ECOFIN se charge de l'étoffer. Au sommaire également, la plateforme La Mouka est complètement émiettée. De 5 leaders de 2018, 3 grossissent les rangs des prétendants à la haute fonction du pays. Ce samedi, la Commission électorale nationale indépendante a réceptionné le dossier de candidature d'Adolphe Mozito. La centrale hydroélectrique de Boudanaouani-Touri va reprendre son plein régime à l'issue des travaux qui vont s'y effectuer. L'impact sera considérable sur la production de l'or d'Okimo à Nizi et dans la fourniture de l'électricité aux populations environnantes. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Assemblée nationale déclare recevable le projet de budget 2024 à l'issue d'un vote majoritaire des députés nationaux hier dans la soirée. Ce projet de budget présenté par le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde et envoyé à la Commission économique et financière de la Chambre basse du Parlement pour amendement et toilettage conformément aux recommandations des élus du peuple au cours de la plénière présidée par le honorable Christophe Mbosoko Diampoanga, Sylvie Moembo. C'est par une majorité absolue que la représentation nationale a déclaré recevable le projet de loi des finances exercice 2024 qui s'élève à hauteur de 40 milliards de francs congolais. Ce texte est renvoyé à la Commission économique, financière et contrôle budgétaire qui dispose de 15 jours pour enrichissement. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampoanga, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, lors de l'économie générale du texte, a présenté un budget en équilibre en recettes et en dépenses avec un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 qui était chiffré à 32 milliards de francs congolais. Plusieurs réformes et d'importantes actions dans différents domaines ont été épinglées par le chef du gouvernement. Il s'agissait entre autres de la réorganisation de l'appareil judiciaire, montée en puissance de l'armée, la réforme de l'administration publique, l'amélioration progressive de la fourniture en eau et la desserte en électricité, la réforme foncière, la maternité gratuite et plusieurs autres réformes. Cette économie générale a suscité un débat tant du côté de la majorité que de l'opposition. Si pour les uns ont applaudi pour les efforts du gouvernement, les autres députés ont fait savoir que le gouvernement ne prend pas en compte toutes les remarques lui faites. Répondant aux préoccupations soulevées par la plénière, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, a résumé sa réplique sur quelques thématiques, à savoir la préoccupation d'ordre général, le programme de développement local des 145 territoires, les questions liées à la chaîne des dépenses. En ce qui concerne l'organisation des élections, un acompte de 200 millions de dollars a été versé à la Commission électorale nationale indépendante. L'Union sacrée de la Nation va tenir demain, 1er octobre 2023, son congrès. Le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, dans sa casquette de haut cadre de l'UDPS, appelle la population congolaise à s'approprier cet événement pour l'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat de l'Union sacrée de la Nation. André Mbata est au micro de Robert Ndaye Tshisekedi, Blaise Boko-Kiasanda et Turbo Chimanga. Si demain par l'Union sacrée de la Nation, et c'est la nation tout entière, finalement, qui va investir son chef pour un deuxième mandat. Et je crois que la semaine qui va suivre, nous allons tous accompagner Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lorsqu'il dépose sa candidature, la candidature pour sa réélection pour un deuxième mandat au service du peuple, au service de la nation congolaise. Et nous sommes parfaitement sûrs qu'avec Tshisekedi Tshilombo, Félix-Antoine Fatshi, le Congo va se mettre debout. Et déjà, on le fait au niveau de la diplomatie. Mais c'est un événement politique majeur. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite un doctorat honoris causa. En droit ou en sciences politiques? Pourquoi il conçoit l'Union sacrée de la Nation? C'est son initiative. C'est lui qui sort. Il voit les problèmes de son peuple. C'est un Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, au regard du tableau devant lui, il appelle à l'Union sacrée de la Nation. Vous vous rappelez le discours? Un discours d'environ 5 minutes. Oui. Quoi, le plus court discours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Oui. Le plus court, pas plus de 5 minutes. On s'imagine un peu un discours analogue, celui d'Abraham Lincoln, le discours de Gettysburg, là où il fait allusion au gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple,
la phrase qui est finalement qui a été retenue dans toutes les universités, partout au monde, comme étant la définition même de la démocratie. Et c'est ce discours qui change tout. Et vous voyez une majorité qui change en plein mandat. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de notre pays. L'union sacrée de la nation. Mais il tire de la constitution elle-même. Il fallait une union pour sortir ce pays des problèmes auxquels il était confronté. Et lorsque vous voyez le préambule de notre constitution, cette constitution, le préambule est clair. Nous, peuple congolais, et le peuple est au... Il est au singulier. Ce ne sont pas les peuples congolais, c'est un peuple, nos peuples congolais, unis par le destin et par l'histoire. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ce génie-là, dans cet exercice-là génial, il trouve l'origine de l'union sacrée de la nation. L'union déterminée, animée par une volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère. J'invite donc tous nos compatriotes, jeunes, hommes, femmes, toutes catégories confondues, vous avez quelqu'un qui aime le Congo, qui n'a que le Congo, et que nous devons tous soutenir avec lui, contribuer, travailler ensemble pour que jaillisse, naisse au cœur du continent africain cette nation puissante et prospère qui serve également de locomotive à la renaissance africaine. Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, est déterminé à traquer les malfrats qui opèrent sans vergogne. Plusieurs groupes des présumés bandits sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise de cette ville. Ces brigands ont été présentés au maire de Matadi, Dominique Kodiampete, Alain Bikay. Un joli coup de filet réalisé par la patrouille mixte PNCFRDC, initié par le maire de la ville de Matadi. Plusieurs groupes de bandits spécialisés dans les vols à main armée et extorsion des biens des paisibles citoyens ont été arrêtés dans le cadre de l'opération Kumba Kimbiko. C'est au commissariat de la PNC Matadi que le commandant de la ville PNC a présenté aux premiers citoyens de la ville ces malfrats auteurs de plusieurs forfaits dans cette ville portuaire. À l'occasion, Dominique Odiambete a fustigé le fait de voir certains criminels récidivistes arrêtés, transférés devant les cours et tribunaux, se retrouver encore dans les lots de ces inciviques. Ce sont les mêmes Tchidis, les mêmes voleurs, les mêmes criminels que nous arrêtons, ils reviennent. Alors nous ne savons pas, ils reviennent par quelle machine. Parce que nous savons que ces gens-là, ces gens ici, nous les avions déjà arrêtés. Donc ils doivent se retrouver en prison. Mais nous sommes étonnés chaque fois que nous venons, ce sont les mêmes figures qui reviennent. Alors là, ce n'est pas bon. Cette fois-ci, on va encore les déférer devant les parquets pour voir comment ils doivent être cette fois-ci cloués définitivement en prison. Parce que ce sont ces gens qui sèment la désolation. C'est eux qui créent l'insécurité, le banditisme urbain au niveau de la cité. La population de la ville de Matadi a encouragé les maires de la ville à pourchasser ces hors-la-loi jusqu'à leur dernier retranchement et elle a sollicité des peines exemplaires à l'encontre de ces inciviques. La foire internationale de Kinshasa a vibré ce matin au rythme du deuxième anniversaire de la fondation grâce à ma mère de la présidente Julie Suélé. En 2 ans seulement, plusieurs femmes et jeunes filles mères ont bénéficié gratuitement de la formation pour une autonomisation financière effective. Parmi les invités de marque, le deuxième vice-président du Sénat, Sangouma Temongondemosaï, Charmant Lelo. En 2 années d'existence, l'organisation non gouvernementale grâce à ma mère a mis sur le marché de l'entrepreneuriat plusieurs femmes et filles mères désormais capables de se prendre en charge financièrement grâce aux différentes formations organisées gratuitement. Un parcours élogieux accompli de main de maître par la présidente Julie Suélé. Dans le cadre de ce deuxième anniversaire, nous avons 2 grands projets que nous lançons avec la fondation Gram. Normalement, le premier projet consiste au déploiement de la Fondation Gram dans 3 districts de Kinshasa. Nous allons lancer 2 extensions de la Fondation Gram, une extension à Nsele dans le quartier Kinkole et une autre extension à Mbinza. En fait, pour besoin d'accompagner et de rapprocher nos services et nos formations auprès de cibles. Mais il y a également une deuxième nouvelle que nous avons dévoilée lors de ces assises de 2 ans de la Fondation Gram, c'est la création de notre coopérative d'épargne et de crédit, la MUFEC Gram, qui est une mutuelle financière des femmes congolaises, membres Gram. Cette coopérative va permettre aux femmes qui sont en difficulté de financement, qui ont du mal à accéder aux services financiers de base,
à pouvoir se rapprocher davantage des services bancaires et bénéficier de l'épargne dans des conditions souples et des crédits à des taux bonifiés pour promouvoir et booster leur entrepreneuriat. À l'occasion de 2 ans de Grammes, la foire internationale de Kinshasa a été prise d'assaut par la junte féminine venue de 4 coins de la capitale pour assister à la conférence débat placée sous le thème « Changer le si en comment ». Devant les invités de marque comme le 2e vice-président du Sénat, Sangouma Temongonde Mosai. Il s'est tenu du 25 au 29 septembre 2023 au Centre international de Vienne en Autriche, la 67e session ordinaire de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, une occasion pour les responsables et représentants de haut rang des États membres de cette structure de se pencher sur une série de sujets en ce qui concerne le nucléaire des par le monde. La République démocratique du Congo a été tout naturellement représentée par le ministre de la Recherche scientifique, technologie et innovation, Gilbert Kabanda, Dien Balaka. La 67e session ordinaire de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a vécu à Vienne, en Autriche, du 25 au 27 septembre 2023. Une occasion pour la République démocratique du Congo présente à ses assises par le biais du ministre de la Recherche scientifique, technologie et innovation Gilbert Kabanda Kourenga d'aborder du haut de cette tribune plusieurs sujets concernant la RDC dans ses secteurs multidisciplinaires. Ensuite, le ministre Kabanda a également eu une séance de travail avec le chef de division de la coopération technique de l'AIEA, le professeur Chaoukat Abdul Razak. Au menu de leurs échanges, la construction en RDC d'un centre multidisciplinaire et radiothérapie en vue de lutter contre le cancer en RDC. Ensuite, reçu en audience par le directeur général de l'AIEA, l'ambassadeur Raffaello Grossi. Le ministre Gilbert Kabanda a invité le directeur général de l'AIEA à visiter dans le tout prochain jour et pour la toute première fois la RDC à l'occasion de la pose prochaine de la première pierre par le président de la République pour la construction du centre. En invitant le directeur général de l'AIEA à visiter la République démocratique avant la fin de l'année. S'en est suivi la signature du plan cadre national pour la période allant de 2023 à 2028 entre le ministre Kabanda et les DGA en charge de la coopération technique, le professeur Chaoukat Abdul Razak. L'organisation du Forum économique RDC Italie à Rome et la semaine minière au mois de novembre à Lubumbashi, ces deux événements étaient au cœur des échanges entre la ministre des Mines Antoinette Samba Kalamba et l'ambassadeur d'Italie en RDC Alberto Petrangeli. On fait le point avec Jenny Chabadi. La ville de Rome en Italie va abriter du 6 au 9 novembre 2023 le Forum économique RDC Italie sur l'échange d'expériences d'opérateurs économiques, miniers et industriels de deux pays. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalamba, prendra une part active à cette conférence internationale. En prélude de cette conférence, elle a conféré avec l'ambassadeur d'Italie en RDC, Alberto Petrangeli. Les deux personnalités ont échangé également sur la semaine minière prévue au mois de juin 2024 à Lubumbashi. L'ambassadeur des mines est l'hôte des marques de cette conférence. Les sommets des G7 sur la durabilité et la sécurité dans le secteur minier au niveau international étaient également à l'ordre du jour de cette rencontre. Je suis venu présenter mes civilités à Mme la ministre et un peu illustrer ce qu'on est en train de faire dans les domaines miniers comme l'Italie. Donc notre participation à la semaine minière de Lubumbashi dans les mois de juin et nos activités d'accompagnement aux efforts du gouvernement congolais de mettre en place une filière durable et responsable dans l'extraction artisanale des minerais. Nous sommes l'Italie est un grand pays producteur, donc le 2e pays manufacturier d'Europe, et va avoir la présidence du groupe G7 à partir du mois de janvier 2024. Donc la sécurité et durabilité du secteur minier, ça va être au centre de réflexion au niveau international. Donc c'est important, un engagement fort de la part de la RDC.
La nouvelle équipe dirigeante de la société minière de Bakwanga Miba, déjà aux manettes, autour de leur président du conseil d'administration Jean-Charles Okoto, les membres de ce nouveau comité ont tenu hier leur première réunion du conseil d'administration, réunion tenue juste après la cérémonie de remise reprise. Regardez. Enfin, le conseil d'administration entrant de la minière de Bakwanga a reçu tous les symboles du pouvoir pour la relance de ce poumon économique. Désigné par les tribunaux de commerce, le mandataire public, maître des cérémonies, a ainsi installé le PCA Jean-Charles Okoto, les DG André Kabandakana, le DGA Hubert Kazadimabika et les administrateurs nommés il y a près de 2 mois par ordonnance présidentielle. J'ai été désigné par la chambre présidentielle près le tribunal de commerce de Kinshasa, Gombe, pour procéder non seulement à la convocation de l'assemblée générale ordinaire de la société Miba, mais aussi lors de cette assemblée d'entériner les membres du conseil d'administration pour procéder à la remise et reprise qui est un des devoirs qui nous était assigné. Bien avant cette cérémonie, toutes les parties prenantes se sont retrouvés au tribunal des commerces pour une assemblée générale ordinaire qui avait pour objectif aplanir les divergences et procéder à la remise-reprise. La presse imprimée, toujours au bas de l'échelle des médias le plus consommé en République démocratique du Congo, la radio garde la tête avec 52% en dépit de son recul remarquable, suivi de l'Internet avec 39% et la télévision avec 23%, des statistiques rendues publiques par le groupe Target qui vient de publier l'enquête de sa 7e édition de l'étude sur les audiences des médias en République démocratique du Congo. José Baïtouambo et J.R. Kabamba. En République démocratique du Congo, la télévision et la radio sont en train de perdre sensiblement leur audience face à la montée de l'Internet. C'est ce que révèle l'étude menée sur le média de la RDC par Target Sarl, qui est à sa 7e édition. Les résultats ont été dévoilés au cours d'un atelier sur l'audience de médias organisé ce vendredi à Kinshasa. Tous les médias sont ainsi sensibilisés à choisir et à soigner le contenu qu'ils proposent aux différents consommateurs, que ce soit les contenus à proposer à la télévision, à la radio ou encore la presse écrite pour augmenter leur audience et faire face à la concurrence parfois ressentie avec le chaîne câblée. On a un grand intérêt lorsqu'on regarde au niveau de la radio. La radio, c'est vraiment le JT, le journal télévisé, ainsi que les émissions de religion, ainsi que l'actualité politique. Ça, c'est en termes de contenu, c'est ce qui est apprécié au niveau de la radio. Par contre, au niveau de la télévision, hein, aujourd'hui, les sports, c'est quelque chose qui attire énormément. Et c'est même ça qui fait le succès des chaînes câblées, hein, au niveau de la télévision. Le téléchargement de vidéos et des audios, ce qui fait que lorsqu'on a téléchargé une vidéo, on a téléchargé une audio, on a l'impression que ce n'est plus nécessaire de suivre la télévision ou même d'écouter la radio. L'Internet ne remplace pas, certes, les médias de la République démocratique du Congo, dont certains dans deux coins qui connaissent l'inaccessibilité à l'Internet face au manque de moyens financiers, au manque d'électricité, ont encore la chance de répondre à l'impératif de se doter de moyens nécessaires conséquents pour évolutionner leur contenu, pour mieux se vendre et s'imposer. Promotion d'entrepreneuriat féminin, une centaine de femmes du district de la Founa viennent de recevoir des fonds pour amorcer des petits commerces. Pas seulement, elles ont aussi reçu chacune des pièces de pagne. C'est au terme d'une journée de sensibilisation organisée par Laurette Mbokela Mampouya, cadre du front des indépendants démocrates chrétiens FIDEC de Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de Lualaba. Explication, Emmanuela Commissaire. Des files d'attente interminables pendant plusieurs heures, toutes ces mamans venues de différents coins du district de la Founa se pressaient pour accéder à cet enclos. Sur le lieu, l'arrivée de Laurette Mbokela Mampouya, celle en qui elle s'identifie, était attendue de pied ferme par ces milliers de mères de famille et autres filles-mères. Ce cadre du Front des indépendants démocrates chrétiens FIDEC de Fifi Masuka, gouverneur Haï du Lualaba, comme dans toutes les rencontres avec les mamans, a sensibilisé sur l'apport de la femme dans l'équilibre de la société et l'importance de son autonomisation. Des moments de sensibilisation qui ont laissé juste après place à l'acte. Toutes ces mamans ont reçu chacune tour à tour des fonds de quoi leur permettre
d'amorcer des petits commerces, elle joue un rôle capital dans l'économie informelle. Déterminée aussi à mouiller le maillot pour donner plus de voix à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président de la République, dans sa circonscription, Laurette Mbokela Mampouya appelle à un soutien total aux actions du chef de l'État. Au-delà de l'enveloppe, chacune a reçu gratuitement des pagnes. Toutes ont esquissé quelques pas de danse, une manière non seulement de manifester leur joie, mais également d'encourager la bienfaitrice à faire encore plus et à défendre leurs droits. Adolphe Mozito veut briguer la magistrature suprême. L'ex-premier ministre et président du Nouvel Élan vient de se lancer dans la course. Il a déposé son dossier cet avant-midi au bureau de réception de traitement des candidatures à la CENI. Téti Samba, je reste au Fundji. Les souverains primaires congolais auront pléthore de choix lors de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. En effet, au crépuscule du présent cycle électoral, avec comme point d'orgue la présidentielle scrutin qui ont vu déjà 6 candidats se prononcer, parmi lesquels Augustin Matata Ponyo, Constant Mutamba, Rex Kazadi, Radjabo Tebabo récemment, Franck Diongo et Adolphe Mozito, qui vient d'entrer dans le challenge électoral avec le dépôt de son dossier réceptionné par la Commission électorale nationale indépendante. Après avoir rempli toutes les exigences administratives en conformité avec la loi, le prétendant à la prochaine présidentielle a eu des échanges avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, avant de faire part de ses motivations et dévoiler son ambition politique à la presse. Les motivations sont essentielles, à savoir libérer les Congos sur les plans tant politiques, diplomatiques qu'économiques et sociales, c'est-à-dire engager le Congo sur la voie de la cause, sa construction, son développement, de manière à ce que le Congolais vive normalement et ait des conditions pour faire étudier son enfant et des conditions nécessaires pour avoir un logement approprié, travailler dans des conditions le meilleur avec une bonne rémunération qui soit digne d'un être humain. Adolphe Mozito, président du parti politique Nouvel Élan, candidat président de la République, inscrit sa candidature dans l'optique du changement afin d'apporter sa part pour l'amélioration de la vie sociale de la population congolaise. Le chairman Jean-Pierre Bemba s'efface pour la prochaine présidentielle au profit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son parti politique, le Mouvement de Libération du Congo MLC, a décidé de porter la candidature du chef de l'État pour le 20 décembre prochain lors de l'élection présidentielle. C'est l'une des résolutions principales prises au terme du congrès de cette plateforme politique qui également célèbre son 25e anniversaire ce 30 septembre 2023. Pirombou Issaïdi et Apounsouci. Ils étaient nombreux, venus de ces 9 fédérations, aussi bien de toutes les 26 provinces, la République démocratique du Congo que de la diaspora, tous au cadre, militants et sympathisants du mouvement de libération du Congo, à rehausser de leur présence remarquable à la sobre et folique cérémonie du jubilé d'argent, soit le 25e anniversaire du MLC, parti cher au vice-premier ministre en charge de la défense Jean-Pierre Bemba Gombo, des assises couplées aux travaux du 4e conseil des représentants de ces partis. Cette matinée politique était une belle opportunité pour le président national et initiateur du MLC de marteler la plus grande résolution de ces jubilés d'argent et de ces 4e congrès. Le MLC réaffirme son appartenance à l'Union sacrée de la nation. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas présenter ma candidature à la prochaine élection présidentielle pour parachever ce qu'il a entrepris. Il convient de marteler qu'hormis cette grande résolution, 5 autres recommandations ont été portées à la connaissance des congressistes, dont la reconduction de Jean-Pierre Bemba comme président du MLC pour les 5 prochaines années. Il s'est de rappeler que cette matinée politique a été également réussie de la présence d'une querelle d'autorité dont le président des deux chambres du Parlement, le premier ministre chef du gouvernement, les ministres, les secrétaires généraux des autres partis politiques, sans oublier les diplomates et autres personnalités importantes de la République démocratique du Congo. Comme le MLC, le regroupement politique ANB, lui aussi tourne son regard vers le chef de l'État. Cette plateforme politique dirigée par Bernard Kayumba vient de choisir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat lors de la prochaine présidentielle de décembre, choix fait au terme d'un conclave organisé à Kinshasa. Gaëtan Magalano.
plus qu'une démonstration de force à un champion et plébiscité candidat à la présidentielle de 2023, l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ticket gagnant du regroupement politique à nous de bâtir le Congo. En présence des invités de marque tels que l'ambassadeur Danny Bonza, le ministre Modeste Moutinga et tant d'autres personnalités, ces regroupements politiques n'attendent que le go de la CENI, tel que précisé dans son discours l'autorité morale de référence, le ministre d'État, Guluando Mboyo. L'ordre de dire, c'est la réélection de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Envie de lui permettre de continuer à réaliser ses actions positives et bénéfiques à l'ensemble de la population congolaise. En conclave, cette Omega plateforme dirigée par Bernard Kayumba se donne comme mission de batailler dur pour une victoire écrasante aux échéances à venir. ANB, à nous de bâtir le Congo. ANB, à nous de bâtir le Congo. Le choix porté en la personne du président RD congolais traduit la volonté de tout un peuple de voir son président continuer le train de développement déjà en marche avec le programme de développement à la base de 145 territoires qui change du jour au lendemain ces pays continents. C'est aussi une manière de dire merci aux garants de la nation d'avoir porté à cœur le Congo-Kinshasa. Quittons Kinshasa pour le Haut-Katanga où la ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kaïnda poursuit son itinérance sur place. Elle a visité les installations de la société Mining Mineral Resources, question de se rendre compte de la qualité des câbles électriques et des tuyaux fabriqués. Angèle Mabela-Londou et Elie Toumba, nos reporters, nous en disent plus. Mining Engineering Service a été créé en 2010 pour le support de gestion des projets à Sumika, Israël, en République démocratique du Congo et dans toute la région Afrique. Aujourd'hui, cette structure s'est imposée comme un fournisseur de services uniques pour tous les types de projets EPC, entendez, ingénierie, approvisionnement et construction impliquant les conceptions électriques, mécaniques et civiles, tous les types de fournitures de matériaux, de montage et de mise en service. Les membres de cette entreprise ont été réconfortés par la visite de la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna, qui s'est dit émerveillée par le travail de qualité qui s'est fourni. La présence en RDC avec plus de 3 décennies, une équipe solide, engagée et motivée pour un approvisionnement, une logistique et une construction efficace. Organisation amicale, flexible et adaptative, avec un effectif de plus de 2700 employés. Grandes installations d'entreposage, système de livraison efficace dans toute la région africaine. Un système de gestion de la qualité rigoureux soumis à une amélioration continue. MS propose des services de maintenance des cathodes qui garantissent un processus sans défaillance permettant une plus grande efficacité, réduisant ainsi la consommation d'énergie dans le réservoir et prolongeant la durée de vie des cathodes. Nous avons 4 unités. Congo Cable qui s'occupe de la fabrication des câbles. Nous avons une capacité de 100 km de câbles par jour. Nous faisons aussi des montages de transformateurs et la production des poteaux en béton armé. Congo Piping produit les tuyaux en HDPE. Nous faisons le recyclage des batteries usées, les huiles usées et le plastique. L'objectif de Clean Congo, c'est avoir un Congo qui est vert, un Congo qui est propre. MMS propose des bandes de bordure permanentes qui réduisent le coût total de maintenance des plaques cathodiques par rapport aux bandes de bordure temporaires. Électricité, lignes de transport d'énergie, sous-stations, électrification des usines de traitement, générateurs. L'expérience dans l'approvisionnement en produits chimiques, matières premières de bonne qualité auprès des principaux fabricants du monde entier à des prix compétitifs est une livraison rapide encouragée à étendre cette activité à d'autres industries minières. Aujourd'hui, MMS s'est imposé comme un four du sort de services à guichet unique pour tous les types de projets EPC, engineering, approvisionnement, construction impliquant des conceptions électriques, mécaniques, civiles et tout type de fournitures de matériaux, montage et mise en service. La centrale hydroélectrique de Boudana en Ituri va reprendre son plein régime à l'issue des travaux qui vont s'y effectuer. L'impact sera considérable sur la production de l'or de Lokimo, à Nizi et dans la fourniture de l'électricité aux populations environnantes. Les détails avec Christine Nienzo et Simon Konkolongo. Tenant
à la reprise de l'exploitation de l'or dans l'usine de traitement de la Sokimo à Nizi et à Nitouri dans les territoires de Djougou, tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le DG Pistis Bonongo Tokole avait mis un fonds considérable à la disposition des ingénieurs de la Sokimo pour la réparation de la centrale hydroélectrique de Boudana qui alimente l'usine de traitement des minéraux à Nizi. Les pièces maîtresses de la première turbine en panne avaient été acheminées à Kampala où l'on a procédé au bouchage de fuites qui occasionnait la baisse de la puissance électrique initiale pour assurer la sensibilité des régulateurs de vitesse. C'est avec l'assistance administrative du gouvernorat de l'Ituri que ces engins sont sortis de la RDC pour Kampala et ensuite réceptionnés à Nitouri. Signalons que la production du premier lingot d'or est attendue en décembre 2023. Toujours à la Sokimo, le personnel a réceptionné sa carte de service numérique, c'est grâce à l'esprit managérial du DG Pistis Bonongo Tokole. Les travailleurs expriment leur satisfaction. Il y a plus de 13 ans qu'il n'y avait pas de carte de service à la Sokimo. Avec cette remise des cartes qui va s'étendre dans les provinces, la société disposera d'une base de données fiable. Un invité dans ce journal, il s'agit du docteur Bruno Bindamba. Il est directeur au programme national de nutrition RDC Pronanut en sigle. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. La RDC organise son premier forum national de nutrition. Ça se passe comment? Ça se tiendra où, quand et pourquoi seulement maintenant? Merci madame pour la question. Je voudrais rappeler ici que la RDC, sous le haut patronage du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, organise son premier forum de nutrition de la RDC. Ce forum aura lieu ici à Kinshasa, au Fleuve Congo Hotel, du 5 au 7 octobre 2023. Et quels seront les participants à ces assises? Madame, tous les acteurs travaillant dans les secteurs de la nutrition, parce que généralement, les commerces de mortels pensent que les problèmes de la malnutrition ne concernent que les secteurs de la santé. Ça, c'est l'approche qu'on avait avant, l'approche monosectorielle. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'approche multisectorielle. D'ailleurs, même le thème de ces forums, c'est l'appel à l'approche multisectorielle, inclusive et synergique pour la lutte contre la malnutrition. Cela veut dire quoi? Si on reste seulement dans les secteurs de la santé pour lutter contre la malnutrition, même si nous mettons beaucoup d'énergie, toutes les énergies du monde, nous ne pourrons que résoudre qu'à 20% les problèmes de la malnutrition dans les pays. C'est ainsi qu'il faut qu'il y ait concours de tous les autres secteurs, notamment les secteurs de l'agriculture, les secteurs du développement rural, les secteurs des pêches et élevages, les secteurs des travaux publics, les secteurs des finances, des budgets, afin que tous les secteurs mis ensemble puissent participer à l'effort de la réduction de la malnutrition dans le pays. Je dois vous le dire, madame, la malnutrition aujourd'hui constitue un problème sérieux de santé publique. Quand nous avons des grandes formes de malnutrition, notamment la malnutrition chronique qu'on appelle retard de croissance. Le retard de croissance, c'est en termes vulgaires, quand nous mettons des enfants de même âge, vous allez voir qu'il y a un enfant qui grandit beaucoup plus que l'autre. Mais le problème n'est pas seulement le développement staturo-pondéral, mais il y a aussi un problème sérieux autour du développement du cerveau. Un enfant affecté par les retards de croissance a aussi les retards de développement de son cerveau. Ce qui fait que cet enfant n'aura pas la même condition nerveuse pour être intelligent à l'école pour les autres enfants. Le chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a participé personnellement en 2021 au sommet de Tokyo autour de la malnutrition, a pris l'engagement de travailler d'ici 2030 à réduire la malnutrition chronique dans les pays autour de 42% à 20%. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Bindamba. Vous êtes médecin et directeur du programme national de nutrition en République démocratique du Congo, ou du Congo Pronanut en sigle. Merci d'avoir accepté l'invitation de la RTNC. Merci beaucoup, madame.
journal. C'est par cette note que nous bouclons complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNT. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Mamie France Zaina. Demain, 7h, Luisette Ntakala. Moi, je vous reviens très prochainement sur nos antennes. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.